Paloma, musique. Et j'avais déjà fini. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir encore une fois, j'avais applaudi. Voilà, merci, Jérémy. Merci. Merci à tous. Merci à Régine Blanc. Merci à. À Mylène. À Mylène. Oui. Merci à Matt. Oui. Merci. Merci à Marie-Gélina. Merci à Sophie. Oui. Je vous dis merci, on fait une pause de 10 à 15 minutes et puis on revient à la time, la partie poésie slam. Donc, je vous remercie à Biz, à Mylène, à Marie-Gélina et qui encore. Majid, merci d'être venu. Et la fumeur, on peut aller prendre la dose de nicotine et puis on se retrouve dans une quinzaine de minutes à ce moment-là. Aussi à Sherbrooke, il est venu. Et puis, ouais, c'est lui qui va commencer la partie poésie. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Thierno Harry.
soupir des douleurs contondantes, soupir des siècles de souffrance, au-delà de l'océan. Dans les taudis d'Harlem, dans les ghettos de Montgomery, pleurer mon frère. Mon frère brandissait panneaux. Ma sœur hurlait à tout rompre. Pierre dans l'enfer des autres. Ses yeux de marin le gardent accroché au ciel quand sa vie tient au fil du silence. La règle dans la favela de Villa Prudente. Une petite fille avec une jolie robe bleue et des yeux vifs m'apporte une tasse de café. Elle fait une légère génuflexion pour me saluer. Je l'embrasse. Délivré et me reviennent ces images d'un autre monde, celui d'avant la nuit où tout était si vrai. Moi, je vous apporte une petite chanson d'une chanteuse française. On dit pas une chansonnière, mais on dit une chanteuse. Pour moi, c'est une grande dame, c'est une messagère de la chanson française.